il faut avoir une action qui soit confortée par une vraie majorité. Mes chers compatriotes, l'élan est là. Mais il ne peut être concrétisé qu'avec une majorité présidentielle large, cohérente et bien décidée d'aller de l'avant. S'ils veulent ces réformes-là, s'ils m'ont choisi, je pense qu'ils auront à cœur d'accorder une majorité large, solide, cohérente au président de la République. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Deux images de sport pour terminer avec d'abord un ciel toujours aussi bleu sur le tennis français aujourd'hui à Roland-Garros. Où l'on retrouve notre envoyé spécial qui semble littéralement captivé par la finale. Et oui, quelle pression inimaginable, rien que des champions, le suspense est intenable. On a beau se maîtriser, faire des efforts sur soi, on peut pas s'empêcher d'avoir le cœur qui bat. Dans les gradins de la démocratie, ça va, ça vient, mais tout le monde ici est transporté par une simple question. Qui va gagner les élections ? On en rêve la nuit, on se réveille en âge, on a bien dormi pendant le redécoupage. J'en avais pas prévu des circonscriptions aussi biscornues en compétition. Dans les gradins de la démocratie, ça va, ça vient, mais tout le monde ici est transporté par une simple question. Qui va gagner les élections ? La balle brune reblondit, quand les bleus se divisent, l'accord vert se ternit, le rouge lui s'électrise, un problème essentiel, à la une des journaux, la rose verte sera-t-elle du vin dans son eau ? Dans les gradins de la démocratie, on se demande parfois aussi, le roi sera-t-il roi et pourra-t-il régner ? Aura-t-il sa majorité absolue ou relative ? Absolue ou relative. Avec un président si fraîchement élu, le gouvernement ne joue pas en terre battue. Bref, vous l'aurez compris, on dirait que tout arrive. C'est la ferveur ici pour les législatives. Il faut donc donner une majorité au changement.